quand il dit minimum 2. Voilà, je suis présente ici à Douala pour la deuxième édition du camp NDMIM qui est les Generations. La première édition, j'ai malheureusement pas pu être présente parce que j'étais aux États-Unis en WNBA et voilà, j'ai mis un point d'honneur à être là pour la deuxième édition, pour pouvoir être là avec les coachs et tous les jeunes joueurs. Pour moi, c'est vraiment une joie, un honneur d'être là et de partager ce moment de travail avec eux. Et quelque part, de donner la chance à des jeunes de pouvoir, tout en s'amusant, travailler et continuer d'apprendre et qu'on leur donne des clés qui leur permettront d'atteindre le haut niveau, du moins le plus haut niveau. Et qui continuent à travailler dessus pour qu'ils puissent améliorer leur niveau. Nous voulons un team bien pour ce camp. Elle nous a beaucoup aidé. J'ai appris des nouvelles techniques de basket. J'ai appris de nouvelles méthodes de tir. Ouais. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. Ma connaissance n'a jamais eu un camp de ce niveau à Douala. Et depuis 2 ans, ça fait rêver les jeunes. Et le fait qu'elle soit venue personnellement cette année, vraiment, ça va beaucoup booster ces jeunes-là, beaucoup, beaucoup. Et merci aussi par rapport au coach avec lequel elle est venue, parce que nous, instructeurs, il nous apprend beaucoup de choses et ce sera beaucoup, beaucoup plus pratique lorsqu'on retournera dans nos camps respectifs. Ta vie dort, père, pour les autres ne dort pas. Le DEA est sucré. Mon frère, c'est les gens et les bébés que tu veux voir. Le DEA est sucré. La nuit, non, c'est un autre monde, père. Le DEA est sucré. Non, ne t'amuse même pas. Ne t'amuse même pas. Le DEA est sucré. C'est sucré. Maman, la vie du DEA est sucré. Le DEA est sucré. C'est sucré. Yes. La vie du DEA est sucré. Le DEA est sucré. On a la chance d'avoir ces cliniques, ces différents camps, d'avoir des professionnels, des experts qui viennent nous expliquer, qui viennent encore approfondir nos connaissances sur le basketball. Et c'est ça qui nous permet également de transmettre à nos jeunes filles ou à nos jeunes garçons sur le terrain. Le directeur technique du camp, le coach Wani, nous a d'abord fait une sorte de recyclage. Et en plus, il nous a ajouté bon nombre de choses que nous ignorions. En fait, le but pour nous était d'abord de nous mettre à niveau, de nous rassurer que ce que nous enseignons aux enfants est du bon. Et ensuite, nous ajouter un surplus pour que nous fassions évoluer davantage les enfants. I be lying, nigga.
a bon boy. Et China baby, elle veut que bad boy. I'm good Kasona, I like the boy. Stanley Yena, et un petit moment young boy. Si cette activité est pérennisée, les enfants vont se battre pour y être et nécessairement ça aura un impact sur la performance et le développement de nos jeunes. Anwa, nigga, yes boy. I don't walk and I'll be small, you know boy. I don't carry back that ya walk, boy, boy. This is me, got over back sick, boy. I say, Mama Sarah, I beg, salute me, Papa Sarah. Whoa, tell it, say me, ya di waka waka. Man, di walk brain, kucha banga. Yes, so, yes, so. Ubasabi, Perica, let's saw. My papa been a soldier. Mommy been a Presbyterian church elder. Matara dem font beaucoup dem na jungle. Un kouloulou na maison mais vos jongleurs. Mi se papi na jungle. Except Samuel et tout n'a d'as au jongle. Perica, you must calculate. Gun race, you must calculate. Montagna, you must calculate. Calculate, calculate, calculate. Bam bam be. All my war man, them they cut me cafe. Grand mère, come we go for petit marché. Asso, viens ici, viens me tromper, yeah. Yes, oh, yes, my papa been a soldier, mommy been a Presbyterian church elder. Comparé à l'année passée, moi, je trouve que cette année, c'est plus sombre, c'est plus dur. Et je crois que ça va beaucoup nous aider dans nos entraînements individuels. Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Je tends mon cou comme Anibela et je descends en pangor. J'ai des jambes comme Wally, mon ami, mes reins, on le ressort. Je ne contrôle plus mon corps, DJ, tu veux ma mort. Mon ami, quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna move, je m'en fiche, je triche. Quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna move, je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà avancé, on veut déjà déranger. On commence à se rappeler comment à l'époque on dansait le zengue. Zengue, 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 moto. On se rappelle comment on dansait le pédalé à l'époque de Zélé. Opéda, Opica, Opéda, Opicasso. Malandro Mangoulé, Xavier Lagaffe, tu connais. Mignon Cité, Kiwaston, tu connais. La danse des sorciers, les apotos, tu connais Ndombolo, Makosa, Bikuti, Pongo, Mouf. Quand on a déjà bu nos bières, tu connais mon ami. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, laisse le main, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Wenny Mugunguzi, j'ai 29 ans, je suis coach au Landerneau Bretagne Basket, je suis responsable du centre de formation et assistant sur l'équipe de Ligue Féminine. Auparavant, j'étais à Nice en Ligue Féminine également.
au Limoges CSP et à l'ESBVALM à Villeneuve-d'Ascq. Je suis venu au NDMIM camp parce que NDMIM est une grande championne du basket international et qu'elle m'a donné l'opportunité de pouvoir venir à ce camp. Je suis venu partager avec les jeunes et les entraîneurs, partager un petit peu mon expérience. Je suis aussi venu à la rencontre de la jeunesse camerounaise et je ne vais pas vous cacher que ça me fait plaisir parce que je vois des jeunes déterminés, des jeunes pleins d'envie, des jeunes pleins de potentiel. Et j'espère, durant ces quelques jours, pouvoir apporter ma touche, pouvoir les marquer un petit peu dans leur développement, pouvoir marquer aussi un petit peu les coachs. Et j'espère que, avec le travail qui est mené par les coachs ici au quotidien, par l'association d'Andy, que ça va aider le basket camerounais aussi à se développer. C'est très bien, ils nous montrent certaines choses dans le jeu, dans la défense, dans l'attaque, nous. Par moment dans les centres, nous ne voyons pas bien l'organisation des séances d'entraînement, donc le clinique est vraiment important. Que ça se perpétue et que, n'est-ce pas, un camp comme celui-ci, de ce genre-là, se multiplie. La raison de ma venue ici, c'est d'apprendre de nouvelles choses et de perfectionner celles que je connais déjà. Et ici, on apprend beaucoup de nouvelles choses également par rapport à le passé, comme l'équilibre pendant le tir, le positionnement des appuis et autres.
coach a promis que ça va encore monter d'un cran. Et j'espère que ça va le faire pour qu'à la fin de ce camp, nous sortons avec un petit quelque chose en plus. Je sais qu'on ne peut pas tout retenir, mais j'espère qu'on va quand même retenir l'essentiel. En 4 jours d'événement, ils ont beaucoup appris, que ce soit dans le mental, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau technique. Et je les exhorte à continuer à travailler, qui ne se limite pas rien qu'au camp. J'ai la puissance à la Katumbe, à la Kalaka, la Katumbe, Kat Power, à la Katumbe, à la Kalaka, la Katumbe. J'ai la puissance, à Kat Power, to take you go higher. Quand je vais te toucher, 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 oh, tu vas t'en jaillir. Malgré moi, je fais des envieux, donc pardon, prie pour moi. Mola, tu flippes ou quoi? Vouloir nous nuire, c'est comme mettre une marmite qu'on dresse sur le feu. Ça va cuire sur toi. I get the license to blow up your mind, brother. I get the license to blow up your mind, sister. Il est cassé comme Oshana. Observe, il feel his vibration. J'ai la puissance à la Katumbe. L'année dernière, j'ai pas pu voir comment ça se passait et je suis vraiment particulièrement content pour les enfants qui peuvent en profiter, pour ceux qui y assistent, pour voir en tout cas l'engouement des enfants, l'intérêt qu'ils ont à apprendre, à travailler et à vivre leur passion tout simplement, à créer leurs rêves, leur montrer qu'ils ont énormément d'opportunités dans tous les domaines, y compris dans le basketball. Ce projet ne peut être que très louable. C'est une idée magnifique de notre jeune sœur, on va le dire comme ça, mais grande sœur de ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui a bien voulu venir faire ce que les Américains appellent le giving back, et essayer de venir redonner un peu à ces jeunes sœurs ce qu'elle a appris de l'autre côté. Quand Indimiem soit accompagné d'un suivi médical, qui est un centre de santé qui nous accompagne
pendant le camp. Pas parce qu'on travaille mal, mais c'est parce qu'on sort de plusieurs environnements et évidemment on travaille plus, évidemment on travaille moins. Alors que ici on fait une charge pour tout le monde. Alors ceux qui travaillent moins forcément vont avoir des petits soucis qui peuvent être solutionnés avec un kiné qui est à côté. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Yeah, they owe it but me, je laisse pas tomber. Let them know, see me, I say. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique qu'on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. J'ai beaucoup de fans partout. Ma musique qu'on écoute partout. Ma mélodie coule partout. Partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout. Partout, partout. I sing for my fans, they be showing me love, I be showing them back. Back, I give them a hit and I'm on to the next. I do it back to back, back, back. Bless be Salatin and my people, they got my back. They got my back. On moments with my fans, then I go, but I'll always be back. Me and my guys shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Je dirais aux autres parents d'accompagner leurs enfants. C'est vraiment l'accompagnement de l'enfant dans ses vœux. Parce que je l'ai vu avec ma fille, elle a souhaité faire du basket. Nous l'avons accompagnée et du mieux que nous avons pu. Et surtout, ne pas mettre les études de côté. C'est un double projet quand on veut faire du sport de haut niveau. Baba, baba, oulili, baba, yelele, baba. I got a flower, flower, come in, Mr. Commandant. Okay, let's go. Okay.
on évalue de façon graduelle. Le premier jour, c'était un peu la mise en condition. Ensuite, on est entré dans le vif du sujet et on est dans la continuité maintenant. Beaucoup d'intensité, beaucoup de volonté de la part des campeurs, ce qui est une bonne chose. On sent qu'il y a de l'amélioration par rapport à la première édition. Comme message aux joueurs, je dirais qu'ils doivent être dans la continuité, c'est-à-dire bosser dans la progression, repousser leurs limites parce que tant qu'on reste dans le dépassement de soi, on est toujours dans la progression. 5 minutes à jouer. C'est également l'occasion de détecter et de transmettre la passion du basket à ces jeunes, détecter de nouveaux talents. Et la présence de Andy, je pense que ça galvanise davantage. 5-9, là. On peut rêver et on peut faire le basket. S'exprimer, qui sait, peut-être avoir un avenir certain. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue sur Temps Mort. Vous le savez, lundi 21h, vous avez rendez-vous avec l'actualité de la balle orange au Cameroun. On est donc de retour ce soir avec pas n'importe qui, Andy Miniem, capitaine de l'équipe de France de basket, à côté d'elle, donc un certain Wani, directeur du camp, qu'on découvrira tout à l'heure, mais que certains ont déjà vu sur les réseaux sociaux en train de travailler avec la cinquantaine de gamins ici à Douala. Ce regroupement, animé par des encadreurs de métier, leur offre des repères utiles, tant du point de vue des valeurs prônées par le sport que du point de vue de la culture citoyenne et même de l'éducation civique. Enfin, un tel projet porté par une icône sportive et un leadership par l'exemple est bénéfique en tout point de vue. Je ne peux que féliciter les promoteurs et les encourager à reproduire cette expérience aussi longtemps que possible. Bravo pour l'initiative. Ça nous a permis à surpasser notre mental parce que au bout d'un exercice, deux exercices, trois exercices, si tu craques, le mental n'est pas bon. Mais si tu réussis à tenir, ça veut dire que le mental est bon. Ça veut dire qu'en match, tu pourras te surpasser et ainsi aller au-delà de tes limites, au-dessus de tes limites. Donc on va dire merci à NGMM d'avoir créé ce camp. Comme d'habitude, on est calé. Ça va aller. On te met l'engrasse à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Des camps de ce genre, il y en a pas. Il y en a presque pas. Et si on peut prendre un peu plus d'enfants, de campeurs, ce serait un plus. J'apprécie énormément ce que fait M. Ilamé pour le basketball. Pour l'encadrement de la jeunesse, c'est fantastique, merveilleux. Et qui plus est, il bénéficie du soutien d'une très 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 grande joueuse qui est Andy Miniem, que je ne connaissais qu'à travers les médias lorsque je la vois jouer en France avec l'équipe de France. Ou bien des institutions comme celle-ci seraient des choses indiquées pour permettre au basket, pour permettre nous d'abord l'encadrement des jeunes et leur permettre de s'épanouir dans leur état. Et ce matin, nous déroulons le tapis rouge à une internationale française, mais d'origine camerounaise, arrivée au Cameroun depuis jeudi dernier pour son camp d'entraînement, la deuxième édition. Chevalier de l'Ordre du Mérite français en 2013, l'intérieur né à Reims compte plusieurs trophées dans son escarcelle, parmi lesquels la médaille d'or à l'Euro féminin en 2009, médaille d'argent en 2017 et 2019, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2012. De Londres, 5 fois champion de France, 1 fois champion d'Italie et 2 fois vainqueur de la Coupe. La liste est loin d'être exhaustive. Capitaine de l'équipe de France, elle compte à présent 205 sélections avec l'équipe de France. Son nom, c'est Andy Miniem. Elle est avec nous sur RSI ce matin. Bonjour Andy. Bonjour. Et c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur. Donc ça donne vraiment envie de continuer l'expérience et surtout de se dire que ce qu'on fait ça a du sens et ça apporte de la joie et pas mal de choses à ces jeunes. Donc non, vraiment je suis très contente de l'initiative qu'on a pris. C'est très aléatoire le haut niveau. Atteindre le haut niveau, c'est très aléatoire, on ne sait jamais. Ouais. Par contre, l'envie de faire du sport, oui,
Vous voulez qu'elle fasse du sport, comme les petits frères aussi. Un camp comme celui-ci, aussi modestement que je puisse l'être, ça fait partie des outils et des moyens de les aider à progresser et à continuer à travailler. C'est très bien, les enfants apprennent beaucoup de choses qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de connaître durant leur formation dans les différents centres. Et ça fait plaisir vraiment de voir les enfants qui essayent de vraiment se donner, faire des efforts pour vraiment appliquer ce qu'on leur montre. Il faudrait qu'ils essayent de travailler un peu plus durant les temps libres, hein, et également sur les vacances. Et même dans les centres de formation, il faudrait qu'on mette de l'accent vraiment sur le travail, parce qu'on peut voir là que les enfants ont vraiment des grosses lacunes sur des trucs qu'ils ne devraient même pas avoir. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, oh voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Ça, ça fait ça comment? Fou, c'est ça. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou, fap. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou, fap. Faut se lever très tôt le matin. Faut réviser, c'est ça. Toujours tes leçons. Petit ménage, préparer ton école. Faut se lever tôt, mon ami. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie. Respecter tes parents, c'est ça la vie. Si tu n'apprends pas tes leçons tous les jours, ta vie dort. Si tu bois trop, ta vie dort. Mange trop, ta vie dort. Fume trop, ta vie dort. Garantis ton avenir. Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Ah bon les gars. Ouais, yeah. Faut se lever très tôt le matin. Faut réviser. C'est ça. Toujours tes leçons. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Fou, fap. Ne dors pas, ne dors pas. Si tu dors, ta vie dort, ne dors pas. Jeunesse de mon pays, ne dors pas. Jeunesse africaine, ne dors pas. Jeunesse camerounaise, ne dors pas. Jeunesse de mon village, ne dors pas. Wayaï, wayaïoui. On the mix. Arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. N'yango n'a déjà fait ça comment? Rien de tout ça, pas de quoi, man. Foufa. Foufa. Voilà ça, oh, voilà ça. Foufa. Zabidim. Wayayoui. Moi, c'est une grande chose parce que je gagne. Au mois de septembre, je suis censée être à Leipzig en Allemagne pour un stage d'entraîneur. Et je crois que ces 4 jours, c'est un plus encore par rapport à ce que j'avais déjà et ce que je vais aller apprendre. Donc je crois que là, je pourrais mieux représenter le pays. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de rêver. Et ce qu'elle fait, elle est juste indéfinissable. Quoi. Elle prend de son temps, de son énergie pour venir donner une opportunité aux jeunes enfants du Cameroun pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent rêver.
Derrière, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condos? Nous on veut y a moi, y a plus de story, loi parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en cabangondo. Dans son cabangondo, 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 dans son cabangondo. Je dis les bons gars sont rares, comme une jeune fille en cabangondo. Les dix orientons et tous les dragueurs sont prêts. Mais les filles se plaignent que moins de dragueurs sont prêts. Les mini jupes là ça tourne, les formes qui détournent. Et quand la gosse courbe en bas c'est debout comme la craie. Et quand elles mettent les mini ouais, nous on mord même sang, sang, ça me sang. Parfois collant sang, 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 ça c'est la sorcellerie. Tout ça c'est provocateur. Le rythme de cassement de peste peut faire au fils d'animateur. Comment c'est que on aime tous quand on fait les condos? Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condos? Nous on veut y a moi, il y a plus de story, loi parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en cabangondo. Dans son cabangondo, 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 dans son cabangondo. Maintenant les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en cabangondo. Les garçons là, vous aimez flex avec vos pantalons. Trouble d'attention dès que petit matelot avec talon. Est-ce que c'est la punition? Dis donc, est-ce que c'est forcé? Tu veux y amour sans t'accrocher. Donc tu veux jouer au football sans ballon. Dis donc, c'est le dem. Trop faire, c'est le dem. Refaire la même chose, c'est le dem. Mais c'est sans faire, c'est le grand dem. Le modèle est bien calé. Une pierre et un bon poulet. Mais quand on tombe sur une infomane, le bavardage bolé. Des voyages, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Elles savent que ça nous dit, le homme porte toujours ça. Attendez, quand on monte, mon maître, est-ce que vous n'aimez pas? Peut-être c'est même pour ça. Quand on ne change pas, yeah. Quand comment c'est que on aime tous quand on fait les condos? Chérie, attends, est-ce que toi-même tu n'aimes pas les condos? Nous on veut y a moi, il y a plus de story, loi parce que les bons gars sont rares. Comme une jeune fille en cabangondo. Dans son cabangondo, dans son cabangondo, dans son cabangondo. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et j'espère qu'on va se revoir très très vite. Voilà. Le travail que nous faisons n'est pas vain. Et je pense que c'est très agréable d'avoir cette satisfaction de voir que le travail que nous faisons paye. Il y a des filles qui ont manqué les finales régionales à Yaoundé pour venir au camp. Il y a des filles qui étaient retenues à un autre camp à Yaoundé qui ont préféré venir à Douala. Et ça veut dire l'importance qu'il y a sur notre camp. Et je pense que le travail que nous abattons et le sérieux que nous y mettons fait en sorte que notre crédibilité grandit au fur et à mesure. L'année prochaine, on va maintenir la même chose. La plupart des filles qui sont là ont fait le camp l'année dernière, donc c'est leur dernière année. Et celles qui sont à leur première année aujourd'hui, qui ont 13-14 ans, elles auront leur deuxième année l'année prochaine. Je pense qu'un passage de 2 ans dans le camp est assez formateur afin que les centres de formation puissent continuer leur travail. Comment vous êtes donné sur le terrain avec les jeunes? Comment vous les avez poussés? J'ai adoré l'humilité aussi avec laquelle vous êtes venus pour ne pas hésiter à vous remettre en question et à essayer de mettre en place des nouvelles choses. Je pense que c'est la voie pour tout le monde pour réussir, quoi qu'il arrive, toujours chercher à se renouveler. Merci pour l'implication que vous avez mis dans ce camp. Merci parce que c'est vous qui l'avez rendu vivant, comme ça c'est vous qui avez fait que... Bah, en tout cas, moi je me suis amusée et je pense que les enfants se sont amusés. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé et j'espère qu'on va pouvoir travailler encore ensemble à l'avenir. Et voilà, juste vous remercier pour le temps que vous avez donné et merci. Merci à tous les partenaires qui sont là de leur investissement, de leur engagement et de leur effort. Je sais ce que ça coûte d'organiser un camp, donc merci à vous d'être avec nous cette année. Et j'espère que vous serez avec nous l'année prochaine et d'autres années encore.
Merci. Et nous avons décidé cette année d'accompagner ce mouvement-là et nous allons continuer à l'accompagner pour que ça prenne plus d'ampleur et que ça se déroule pas seulement à Douala mais dans d'autres villes aussi. En apportant notre soutien, nous montrons donc que nous sommes avec eux et nous les encourageons à avoir toujours de pareilles initiatives et qui continuent en fait de rêver et de penser que tout est possible. Donc c'est pour cette raison que nous les avons soutenus et nous continuerons de les soutenir. Cet e-sport doit être un peu partout dans tous les domaines et donc le basket fait partie de nos cordes aussi. Donc je me suis lancé dans cette aventure et vraiment je trouve ça magnifique. Et il faut que ça continue pour les jeunes d'aujourd'hui de faire ce genre d'événement pour qu'on puisse découvrir de nouveaux talents. Le camp Miniem est un camp dans lequel elle encourage les jeunes à faire du basket. Nous, nous avons un promoteur qui est très proche de la jeunesse et ça, ces causes-là se rapprochent quelque part. Je souhaite que tout ce que ce camp leur a apporté ne soit rentable. Voilà, je voulais féliciter Indy Miniem. C'est peut-être une goutte d'eau, mais c'est beaucoup pour ses enfants qu'elle essaye d'encadrer et à qui elle essaye d'apporter un nouvel espoir. On a pu donner de la joie aux jeunes qui étaient là, on a pu les encadrer, les faire travailler et tout ça c'est grâce à vous aussi. Donc voilà, je veux juste vous remercier d'avoir rendu tout ça possible et voilà, j'espère qu'on pourra encore collaborer dans le futur. Merci beaucoup. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ew. Said it's the only thing we know how to do.